m'appelle Naël, je viens du quartier de Bellevue. T'aimes faire quoi dans la vie? Y'a pas un truc qui te plaît? Je t'ai pas inscrite à notre prochaine sortie, c'est dommage. Hein. C'est pour vous faire découvrir des nouveaux métiers. Comme gratter des murs pourris. Y a pas de mépris à avoir pour le travail manuel. Hein. Les mains aussi, elles peuvent être intelligentes. Bienvenue chez les compagnons. Je vous présente notre mère. Notre mère, genre Marie, Jésus et tout. Toutes les maisons des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Pour un patron qui veut embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité. Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons? Vous voyez dans votre truc de l'excellence, là? Tu tires. Tu casses. Je pense qu'elle a du potentiel. Pour être formée? Allons. C'est vraiment pire que les anciens. Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur cas. Arrête, arrête. Il y a 3000 euros de verre dans la caisse si elle tombe, t'imagines? Je vois bien comment vous me jugez depuis le début. Vous avez un problème avec moi? Vas-y, t'es capable, prouve-le moi. Mais là, on est chez les compagnons, on n'est pas éducateurs, nous. Mais c'est justement des gens comme elle qu'il faut aider. Laisse-moi 3 semaines et je te ramène tes 6000 balles. Je dois de la thune. On est là pour ça, nous, les compagnons, pour s'aider. C'est ce que je risque, moi, s'ils l'apprennent. Je sais pas si vous réalisez la gravité de vos actes. Vous essayez de nous remonter le moral, de nous faire croire qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver un travail, et c'est hypocrite de nous dire ça. Ici, c'est pas un simple savoir-faire qu'on va transmettre. C'est avant tout un savoir-être. Je te rappelle nos valeurs. Amour, fraternité, loyauté, reviens la compagnie. Courage, vérité, humilité. On te donne, et un jour, ce sera à toi de donner.